Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog, mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui je suis à Paris, effectivement c'est la première fois de ma vie que j'amène mon vélo à Paris. Et aujourd'hui je pars faire une sortie de vélo avec Jeune Cycliste Dynamique. Alors on s'est déjà croisé plusieurs fois, mais on n'a jamais fait de sortie tous les deux comme ça sur Paris. Ça va être fun, on va faire une belle balade. Et aujourd'hui pour le vlog, je vais avoir en test la caméra Akaso. Donc durant le vlog, je vous afficherai quand c'est la caméra Akaso qui filme. Comme ça vous serez au courant, et puis vous pourrez voir si ça vous plaît. Bon, de bon matin, je me suis fait une bonne pelletée de pâtes parce qu'on part pour plus de 100 km. On sait que Nicolas il marche. En plus apparemment ça va peut-être monter un petit peu. Donc autant prendre nos devants et manger bien. Premier tour de roue sur mon vélo depuis que j'ai fait du gravel le week-end dernier. Là on est vendredi, j'ai pas roulé en fait depuis dimanche dernier où j'étais dans le Vaucluse. Et vu que j'avais un vélo trop grand dans le Vaucluse, donc on m'avait prêté un vélo, bah là j'ai l'impression que mon vélo il est minuscule parce que bah, il est à ma taille. Et vu que j'ai roulé 300 bornes, 200 bornes, je sais plus, avec un vélo trop grand, bah là j'ai l'impression de pédaler tout petit. C'est marrant. Bon du coup vis-à-vis de ma position, je suis très content de rouler aujourd'hui parce qu'effectivement ce week-end on va faire une grosse course, on va au Tour des Yvelines. C'est apparemment une course très réputée, très difficile, 130 bornes. Donc autant vous dire que la prochaine vidéo va être sympa parce que ça va être une course très intéressante. Mais là du coup je suis bien content de faire 100 bornes aujourd'hui pour m'habituer à la position. Parce que si j'avais pris le départ de la course sans faire de vélo avec, ça m'aurait fait tout drôle parce que là vraiment je suis pas à l'aise du tout, donc c'est hyper drôle. Mais voilà, en 100 bornes, je vais reprendre l'habitude, ça ira mieux. Regardez les amis, on voit la tour Eiffel là-bas, je suis vraiment un touriste. Bon là les amis, j'attends Nicolas, Jeune Cycliste Dynamique, il devrait pas tarder, on avait rendez-vous ici, et après on partira pour une belle balade. Bon là, il y a Nicolas qui vient de me dire qu'il était au point de rendez-vous, je suis au point de rendez-vous, il est pas là, je suis peut-être pas au point de rendez-vous en fait. Ah le voilà. Ouais. Le voilà, le beau, le jeune et le cycliste dynamique. Allons le rejoindre. Alors, en fait, là, du coup, la trace, elle va à Saint-Solomon. Donc là, on va aller à Saint-Solomon, là où est Antoine. Ah oui, ça. Ouais, je sais pas si je lui dis, genre en mode, ça se trouve, il peut nous commander des pizzas. Ok, cool. Comme ça, c'est diète. Voilà, c'est on adore. Diète. C'est le taf. C'est parfait. Bon, les amis, là, du coup, ça fait 40 minutes que je suis parti avec Nicolas. On est toujours dans les bouchons. On est toujours pas sorti de Paris. Là pour l'instant, il faut juste réussir à sortir. Une fois qu'on sera sorti, ça sera bon, on aura des beaux paysages, mais pour l'instant, c'est long. C'est l'enfer. C'est bon, on sort de la ville un peu enfin. Bon, les amis, on arrive au magasin Yazigo. Petite surprise, on va aller rendre visite à Antoine, le gérant du magasin. Pour une fois que je suis à Paris, c'est l'occasion. On a mis une petite boucle dans le circuit pour venir passer ici. Nicolas, c'est un habitué du lieu. T'es déjà passé plusieurs fois. Il y a une limite par cœur. Ouais, c'est ça. Moi ça va être une première, regardez, les locaux sont là. Ah merde, il y a les pizzas. Ah les pizzas putain, on a loupé les pizzas. Bon les amis, je vais rencontrer Antoine pour la première fois. Ça va, c'est les VO de la famille. L'Oise. Ok. L'Oise. Sympa là. Ouais, c'est chouette. Ah, c'est... Amis, la région parisienne, ça monte un peu quand même. Je m'accroche dans la route du TGV dynamique là. Mais ça monte un peu. Alors Quentin, c'est comment du coup la région? Une film elle monte des avantages. Ça monte un peu. Ouais, en plus là, il va y avoir du vent là. On va tomber sur un plateau là, il va y avoir un bon coup de vent. On va pouvoir toucher les deux là, les côtes et les plateaux. Moi aussi c'est dur. Bon du coup on est où là? On est en forêt de Montmorency. Et c'est quoi cette forêt du coup? Pourquoi elle est réputée? C'est une forêt dans le nord-est de Paris. Elle est archi stylée parce qu'il y a plein de boss. Ah. Ça promet. Comme endroit. Carrément. On est bien là, on est au frais, entre nous, chill. C'est
Excellent, belle balade. Voilà, c'est sûr. Bon les amis, sur cette fin de vidéo, je vous laisse avec des images en inside sous mon guidon comme je fais dans toutes mes vidéos avec la Brave 7 de la caméra d'Akaso. Comme ça, vous pouvez vous faire un ordre d'idée, vous rendre compte de si ça vous plaît et si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, pas un paquement comme ça.